l'hémisphère, l'hémisphère, mais c'est un tremblement de terre. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Mais j'ai la berlue! Ma foi, c'est un troupeau de zibu! Mais non, je n'y suis pas du tout! C'est tout simplement une tribu de zoulous! Mais non, voyons, c'est clair et net que je suis au Québec! Et devant moi, c'est évident que ce sont des enfants! Excusez-moi, mais de ce temps-ci, je suis un petit peu bousy, bousy, bousy! C'est que je reviens de voyage plein de péripipi. Mais qu'est-ce que je nomme en plein de péripipi? Un long voyage en Amazizi. En Amazizi? Mais non, en Amazonie. Je suis gousy-gousy. Je dois aller me reposer. Coran, mon frère, viens me sauver. Salut champion, la cloche sonne et attention. Comme je le dis souvent à ma petite poutine, la vie ça se passe sur le ring. L'important, oublie jamais ça, c'est de passer ses colliers les épaules au matelas. Voici Doris, ma petite chérie, mon petit oiseau du paradis. Vas-y, vas-y, mon petit poisson, chante-nous donc une petite chanson. Mais qu'est-ce que t'as, Doris? As-tu rendu muette? As-tu perdu ta langue ou bien ton alouette? Mais non, c'est l'émotion qui me coupe la sifflette. Mais sans rouin, sans ma petite alouette. Mais j'appelle pas sans le sens, c'est un vrai cri de mouette. Elle fait dire qu'elle regrette et vous envoie des becs. Moi je vous dis salut, championne, champion. Je laisse ma place à Violette et Léon. C'est effrayant, il y a tellement de monde, ça n'a pas de bon sens. Si j'avais su d'abord, je me serais habillée autrement. Conrad, dites-leur d'attendre, je vais changer de toilette. Eh non, Léna, Violette est parfaite. Avez-vous vu mon pire, Robin, Robin? Faut toujours qu'il s'éclipse lorsque j'en ai besoin. Quelqu'un aurait-il une tête à me prêter? Ma toute dernière nouveauté, c'est ce qui se porte énormément actuellement dans la perruque pour enfants. Comme vous pouvez le constater, tous les styles sont présentés. Elle répond à tous les goûts, cheveux tapés, cheveux fous, on dégage les côtés rasés, bout du tout, bête des bouclettes, cheveux raides comme des clous, petites traces partout, partout. C'est une perruque unisexe, autant pour garçonnettes que pour les fillettes. En bonus, du spray net, c'est gratuit, ça vient avec. Merci, mon père. Ceux qui sont intéressés n'ont qu'à m'appeler. Voici mon mari Léon, c'est lui qui fera la livraison. J'espère que c'est pas encore ta peau. Déjà, une commande que je suis contente. Laisse faire, Léon, c'est pour moi, je réponds. Bonjour, mes braves, je serai vrai. Vous pourriez pas mettre un autre genre de musique, là, disons quelque chose d'un peu plus classique. Ah, excellent. Je dis c'est donc... C'est pour toi, Léon, ton patron, Monsieur Tapon. Dis-lui que je suis occupé, qu'il me rappelle ou je le rappellerai. Bon, je disais donc, je serai bref, je suis le père non, de... Tapon, Léon! Oh non! Violette, dis-lui que je ne suis pas ici. Dis-lui de manger des biscuits. Bon, reprenons. Je suis le père que de ça, mon fils. Qu'est-ce que c'est ça, là? Vous êtes à la mort, en dormant? C'est instant, on va faire péter. Ok, stop, cool, 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 merci, c'est fini, ouais, c'est bien beau, là, c'est bien joli, mais j'ai pas rien à faire dans la vie, moi, une urgence qui m'attend, grosse urgence, très, très urgente.